Hello tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Dans la dernière vidéo, qu'est-ce que nous avons vu? C'est quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, il y a eu une nouvelle mise à jour. Avec le bateau. On va de l'autre côté, un nouveau village. Et que j'ai énormément augmenté, je suis rendu au niveau 4. Quelle est ma stratégie pour ce village? Ouais. Parce que oui, j'ai une stratégie. Au juste, pour vous dire, aujourd'hui c'est la 54e vidéo de Clash of Clans. Avec le logo champion MMC. Avec le logo de champion de la Ligue Champion sur Clash of Clans. Bon, ici, je peux améliorer ceci. Ouais, ça coûte quand même assez cher. Comment? Mais qu'est-ce que vous voulez, on avance. Là, j'améliore en ce moment ceci. Je sais pourquoi du jeu. Bon, peu importe. Bon, je peux vous montrer là pour ça. En gros, c'est celle-là. Ben, j'améliorerai ceci. Bon. Ok, troupe de défense 2. Niveau d'unité 2. Point de vue que. Permet d'attribuer des troupes pour soutenir la défense. Ces guerriers seront ralentis l'ennemi. C'est comme une sorte de défense, mais comment l'activer maintenant? Je n'ai absolument aucune idée. Mais juste avant d'aller là, hop, juste pour vous dire. Voilà. Mine des gemmes, je peux avoir des gemmes plus gratuitement. C'est long, ça prend environ 12 heures de temps. Dans le jeu, là, environ, c'est peut-être un peu plus. Mais c'est à peu près ça, environ 12 heures de temps pour une gemme. Autre amélioration. Canon niveau 11. Ok, celle-là est niveau 11 aussi. La différence, c'est que vous voyez la forme. Oui, cette forme-là. Refait 4 tirs. Oh, oh. On peut voir ça. Bon, dégâts par seconde 80. Point de vie. Bon, ça change pas. 9 cases de tir. Celle-là, c'est peut-être moins 7 cases, mais... rafale de 4 tirs. C'est 4. Ok, un peu moins puissant, mais... 4 tirs, 60, 120, 28, et 400. C'est 54. Ça faisait 454 de dégâts. Tandis que lui, c'est juste une fois 80. Elle doit faire mal. Et je veux voir ça. Au moins 4, à moins 8 pour se passer. Puis j'ai mon canon double. Oui, c'est un canon double. Pas eu le temps d'avoir son effet vraiment.
Ouais. Est-ce que l'autre... L'autre en aérienne. C'est encore pire. Hein? Celui-là maintenant. Canon est en amélioration. Moi, j'ai pas d'image pour vous montrer vraiment l'efficacité autre. Bien sûr, autre que celui-là. C'est le seul et unique. Pour l'instant, j'ai pas de démonstration. Puis, je vais vous dire un... En ça, je vais vous dire une affaire. Ce sera pas long. C'est animé quand même. Quand même animé. Bon. Oh. Je sais pas. Je sais pas. On va faire des tests encore. Ouais. La différence de circonférence est quand même grande. Je sais pas honnêtement. Bon, on va attaquer là. Je cherche un bon village et je reviens. Oups. Nous sommes de retour. Ça a été quand même un tout petit peu long. Mais j'ai pris ce village. Voilà. Fuck. Ah, au moins. Je veux pas qu'il aille être vraiment là, mais pas le choix. Vraiment, j'ai pas le choix. Non, on va pas là. Bon, au moins. Voilà. Ah, en plus, le morceau est détruit. Parfait. Ben. J'ai eu peur un instant, hein, de pas avoir. De pas avoir une victoire. Mais je l'ai. Bon. Oh, parfait. Il va détruire celle-là. Puis il va détruire celle-là. Parfait. Et du coup, je vais utiliser ceci. Ceci. Et j'ai deux étoiles.
Yeah! J'aurais pu la prendre celle-là pour avoir le deuxième étoile, mais c'est pas grave. En plus! Ah, je me plains pas, ça me fait de l'argent supplémentaire. C'est sûr que une chose. Il pourra pas se refaire attaquer. Il sera fait voler quand même. T'as pas compris. Dommage. Quelques secondes de plus, puis je l'avais. Qui se refait. Quand même. C'est bien. Voilà. Juste pris des sorts de foudre. Puis que ça valait la peine, aussi. On peut pas dire le contraire. Sachez que nous sommes 10, 8. Puis il faut 10 personnes pour déclarer une guerre de clan. Mais par contre, attends un peu. Mais je sais pas comment. Je sais qu'on a déjà eu des guerres de clans amicales. Mais je sais pas comment faire ça. J'ai jamais essayé. Sachez que ça c'est tout le monde. Ah ouais. On va non. J'ai rien su pour là. Base des ouvriers. 2-0. Ça c'est bien. Il y a quand même un peu de trophée dans cette base-là. Qui est cette base? La base des ouvriers. Bon. Ça va être la seule et unique attaque pour ce village. Sinon, faut que j'attende 2 heures après. Espérons que je vais réussir. Espérons. Il fait mal ça. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait mal. Je vais changer lui pour un. Pour les archers. Quand j'en ai quand même 4. Là, je vais juste 30. J'utilise 36 en ce moment. 36 troupes. Le double canon fait mal. Ah, c'est pas pire. J'ai pas 100% à cause de ça. Mais j'aurais quand même pu. C'est bon, 66%. Qu'est-ce que je fais? Je ne quitte, je peux pas arrêter. Je m'enlève de là, j'enlève Clash of Clans et je reviens. Et c'est plus rapide. Ouais. On va voir l'autre personne combien qu'il va avoir. Bah. Ça va être long. Il a fait que 20%. Et comment je le sais? Regardez ici, je suis monté à 1140. Avec de l'argent. Sachez que la formation des troupes s'interrompt lors de l'amélioration des casernes. Voyez ça? Le nombre de victoires, ça c'est par jour. Je me suis déjà rendu, c'est quoi mon plus haut record? Jusqu'à date. Je suis rendu aussi au niveau 77. Ça monte un peu plus vite qu'avant.
Maître d'ouvrage, améliorer la maison des ouvriers au niveau 5. Ça va être fait bientôt, une fois que tout va être acheté. La nouvelle légende, construction. Ouvrier de compétition. Remporter un total de 3000 trophées lors de duel. Hein? Mon record est de 1168 PC. Deux coupes. Ça a pris un certain temps avant que je reprenne. Ouais, ça a pris un certain temps avant que je reprenne. Donc, qu'est-ce que je faisais par là reprenne? C'est de remonter en trophée. Parce que là, je perdais tout le temps, je jouais puis je perdais. À un moment donné, dans les débuts, c'est la première journée que j'ai fait ça, c'est la première avec vous. J'ai continué par après, pas mal aussi. Puis à un moment donné, si j'avais 100%, je faisais juste garantir que je perds pas rien. C'est à peu près ça. Il défonce. Il me reste que ça à acheter. Il faut tout acheter. Bâtiment requis pour l'améliorer au prochain niveau. On peut pas. On peut gémir, ça c'est sûr. T'as juste ça, t'as mieux ça. Ça se fait relativement bien. Mieux qu'avec l'autre, ça coûte moins cher aussi. Mieux rempart. J'ai des remparts niveau 3. Le maximum actuellement, si je ne me trompe pas, c'est niveau 4. Faudrait que j'améliore ceci, bien évidemment. Quand ça. J'y ai pas repensé. Mais c'est bien, j'aime bien ce jeu. Ce mode de jeu. J'aime bien. Ma stratégie là-dedans est que. J'achète ça. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je vais peut-être attendre, je sais pas. J'ai le goût d'attendre un peu. Je vais peut-être attendre un peu, améliorer peut-être quelques défenses. Et ensuite, j'améliore tout de suite ma maison des ouvriers. Ouais. Je fais l'améliorer. Pour. Peu importe. Mais je vais faire ça. Je vais faire quelques améliorations, puis après ça, je m'en vais directement au niveau. Au plus haut niveau. Comme ça, moi, j'atteindrai pas les millions d'années de me rendre au niveau maximum. Au moins, celle-là, ça va être déjà faite. Ensuite, il me restera juste à améliorer le tout. Et il n'y a pas juste ça. Il me restera juste à monter en trophée. Yeah. Juste ça, avant qu'il augmente les niveaux. C'est tout. Il me demande ça va être quoi la différence avec ces mortiers-là aussi. Donc on va pouvoir l'améliorer. Faut pas l'oublier. Améliorer d'abord ce bâtiment niveau 8 pour pouvoir bénéficier de de tout. Ah, en passant. Là, j'ai gaspillé. Ah, ok. On peut juste en armer. Ah, ok. C'est le seul et unique canon que l'on peut avoir. Ça va sûrement au nombre de bâtiments que l'on a ici. Vu qu'on a un double canon, on peut améliorer l'autre. Un canon en double canon une seule fois. Probablement, excusez, il y a un morceau que je vais pouvoir faire. La même affaire. Bon, c'est correct. Prochaine amélioration ici. Bon, là, ici, j'améliore ça. Il est parti. J'améliore ma reine des archers. Que je trouve des villages pas trop difficiles quand même.
pour le règne des archers. Sinon, je veux améliorer mes mortiers. Ça coûte 5 millions, ce qui coûte moins le moins dans ceux qui coûtent le moins cher. Mes défenses sont pas mal à niveau. Mais si le prochain c'est 5 millions, je vais pouvoir améliorer ça après les mortiers. Il y a juste lui qui est pas à niveau, mais c'est pas grave. Que cher. Ceci. C'est ça. Ça aussi, on peut l'équiper. Mais ça, la différence, c'est qu'il va tirer plus vite de même. Portée plus basse, mais il va. Même affaire que ça. Mais de pas mal en plus. 11, 7, wesh! De pas mal en plus. Sûrement, on va en avoir peut-être plus qu'on pourra faire ça. Probablement. J'imagine. Ça, c'est ça comme amélioration. Sinon, le canon, en plus, c'est celle-là qu'il fallait que je mette à niveau en plus. Ouais, c'est le dernier canon que j'ai eu, puis qui est là. C'est bien ceci. Sinon, après ça, je vais commencer à améliorer tout. Ah, ça aussi, ça coûte 5 millions. Eh ben, on peut améliorer. On se n'est plus qu'on peut l'améliorer au niveau 9. Je veux pas ça. Je veux ça. Allons voir le meilleur. Black August. Ok. Ben. C'est vrai, on va pas voir les tours de Tesla. C'est vrai. J'ai oublié ça, c'est ce petit détail. Une des meilleures mondiales actuelles. Il n'y a pas le double canon. Wow. Et sachez aussi que voyez le nombre d'ouvriers que j'ai disponibles? J'en ai 5. Ici, j'en ai qu'un seul. Quand j'ai amélioré ce canon, sachez que je ne pouvais plus soit acheter, ou construire ou améliorer quelque chose. Parce que rendu là, c'est comme si on pourrait en avoir jusqu'à 6 ouvriers. C'est quelque chose quand même, 6 ouvriers. J'avoue que c'est quelque chose. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Maintenant, on a deux villages à s'occuper là. Dans un! Avec un compte. Yeah! Alors. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google+, Twitter, car tout le monde est bienvenu. N'hésitez pas aussi d'aller visiter mon site internet championmmcl.wixsite.com /championmmcl ou tout simplement championmmcl.wordpress.com qui est légèrement mieux. Ou sinon tout simplement aller sur la page de ma chaîne YouTube, cliquez sur le lien pour le site qui est à côté entre le lien de Google Plus et de ma seconde chaîne pour accéder directement au site. Vous après ça, une fois rendu là, c'est où vous allez être dans le championmmcl.wordpress.com. Une fois que vous serez là, vous cliquez sur champion MMCL pour vous aller dans le complet, le site complexe, le site complet parce que WordPress c'est juste une page, tandis que Wixsite et c'est le complet. L'autre, c'est juste un site connexe. Non, je le garde parce que je peux mettre le logo pour les petites
L'image en haut. Quand on dit close, c'est j'ai l'image de Wixit. Tout simplement pour ça que je garde, sinon ça a été Wixit. Alors pour ça, je suis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Prochaine vidéo, RPG Maker. Ouais, on va commencer à continuer. Père fort. Puis, j'ai quelques petites surprises pour vous. Plutôt une surprise. Un gros. Une grosse affaire. Qui est différent que j'ai faite. Avec RPG Maker, le jeu perd fort des mots. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Bon, juste avant de quitter, sachez que une fois après la vidéo faite, je me suis fait attaquer. Encore une fois. Ici, juste pour vous montrer, je suis encore en amélioration niveau 5. Je n'ai toujours pas. Seul, je comprends pas pourquoi que je peux réattaquer. Toujours 1140 trophées. Je n'ai toujours pas ceci. Ma reine des archers est toujours en amélioration. Niveau 15. Et ma force d'excès est toujours en amélioration niveau 4. Et si vous remarquez, je suis rendu à 3060 trophées. Alors que j'étais pas énormément haut. Si on regarde là, 25 trophées quand j'ai vu ça. J'ai dit yes! Alors ça, je vois ça. Et ça faisait, j'ai monté de 47 trophées. C'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est juste ça que je veux vous dire. Je me suis fait attaquer deux fois. Ouais, deux fois au lieu d'une. Lui, c'est en bas de. En bas de 30%. Ici, à un moment donné, je me suis fait un, deux. Non pas un ni deux, mais bien trois fois. D'affilée, trois réussites d'affilée. Ça, j'ai resté assez surpris. Trois fois d'affilée. Ça, j'ai eu un gain de 40, 50, 61 trophées. Quand même. Là, j'ai un gain de 47 trophées. Qui est très bien. Alors, pour ça, je viens. À nouveau, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Merci à tous.